Je vais maintenant manger une délicieuse pastèque. Oh non! Quel cauchemar! Ma pastèque est en train de tomber! Oh non, j'ai faim! Alors, voilà mon dessin arrivé. Faites-moi des crêpes! Oh oui, c'est super simple! D'accord, je vais le faire. Alors, par là, je pense que je vais mettre tout cela à des pancakes. Cool, c'est une bonne machine, ça. Alors, je télécharge une moche pour qu'elle dessine le vêtement de la pâte de la crêpe colorée. Voilà, tout ce que j'ai à faire, c'est de regarder et de changer la couleur de la pâte. J'ai obtenu un super dessin du Spider-Man. Oh, oui. Oh. Bon, d'accord. Je vais préparer à l'ancienne. Voilà, cette bouteille va être parfaite pour cela. J'ajoute tous les ingrédients nécessaires. Et maintenant, je secoue le tout. C'est tout? Voilà, la pâte est prête. Maintenant, j'ai besoin de ça. Avec son aide, je pourrai bien panser la bouteille. Super! Voilà, maintenant je vais tout presser dans la poêle. Regardez comme c'est sympa. Voilà, je mets le Nutella. Maintenant, je mets beaucoup de pâte. Il faut pas oublier de tout retourner. Voilà, je vais mettre les pancakes par là. Et je vais arroser avec le sirop de chocolat. Par là, je vais mettre des fraises. Alors, ma Sophie va l'adorer. Alors, Sophie, goûte. Oh, j'attends. Oh, j'adore ces pancakes. Wow. J'adore ce pancake en forme de Spider-Man. Wow. Je vais le goûter. Oh, en fait, le goût est vraiment pas super. Oh, ces pancakes avec le chocolat. Ça a l'air super appétissant. Oh, wow. Il y a le Nutella à l'intérieur. Comme c'est cool. J'adore ces fraises en plus. Oui, mamie, t'as gagné. Comme c'est cool. Voilà, c'est super. Oh, comment c'est possible? Oh, ce dessin a l'air super. Moi, je veux de la pizza. Oui, vous pouvez le faire, je pense. Bien sûr. Alors, on commence. Tout d'abord, j'étale la pâte. Comme ça. Par là, par là, par là. Oh, ouais, je suis un peu fatiguée. Wow! Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais tu peux étaler la pâte avec cela? Oui, c'est intéressant. Oui, je n'ai jamais eu ça. Maintenant, j'ai besoin de cette pâte. Non, ça ne marche pas. Mamie, je vais t'aider. Non, merci. Je vais le faire moi-même. Voilà un peu de vitamine. Voilà, tout va bien se passer. Oui, je vais être très forte. Sérieusement? C'est du brocoli, ça? Je n'ai pas de muscles comme ça. Maintenant, je vais ouvrir la pâte de tomate. Voilà, c'est tout. Content. Voilà, je peux ouvrir ça. Voilà, comme ça. Et super. Et tiens, mon ami. Merci beaucoup, mamie. Voilà, je vais mettre de la pâte. Et voilà, je vais tout étaler comme ça. Maintenant, je vais râper le fromage. Oui, je vais en mettre beaucoup. Super. Alors, la pizza va être aux légumes. Alors, je vais couper des légumes. Des tomates, du brocoli. Des oignons. Et un peu de poivre. Ouais, comme c'est cool. J'adore les poivrons, le maïs en plus. Oui, c'est sympa tout ça. Je vais aussi râper le fromage. Mais avec une râpeuse électrique. Voilà, elle va tout faire elle-même. Maintenant, je change. Et voilà, ça se transforme en quelque chose de super, ça. Voilà le résultat maximum. C'est super. Mamie, tu veux que je te montre quelque chose? Voilà, c'est mon pizza maker. J'ai préparé ma pizza. Alors, regardez. Ouah, comme c'est bon, ça. Oh, mamie, et toi, c'est bien aussi. Sophie, goûte. Oh, wow, j'adore ces pizzas. Alors, je vais commencer par celle-là. Oh, alors, je coupe le morceau. Et je vais goûter.
Burk, c'est horrible ça! Il n'y a que des légumes! Oh, waouh! J'adore cette pizza de pepperoni! J'adore ce morceau! Oh oui, l'odeur! Oh, c'est super ça! Content, t'es le meilleur! Oui, la victoire est pour moi! Merci beaucoup! Qu'est-ce que tu veux, ma petite fille? Maintenant, je veux un sandwich. Vous pouvez m'en faire un parce que j'ai tellement faim. Un sandwich, sérieusement? Oh, je sais. Je peux faire des toasts vraiment cool dans mon grille-pain. Mamie, tu vas être choquée par ce grille-pain. Oui. C'est fait. Regarde tous ces jolis émoticônes. Oh oui, c'est vraiment cool. D'accord, maintenant je vais aussi faire de belles tartines à motifs pour ma petite Sophie. Hein. Voilà. Et je vais mettre comme ça. Voilà, sur le toast. Et ensuite, j'ai besoin du fer à repasser. Voilà, je le mets sur le toast et j'attends un peu. Regarde, Quentin. Oh, c'est super, ça. Voilà, je peux faire comme ça. Pour la farce, je vais utiliser une banane. Sauf que tout d'abord, je vais le couper par morceaux. Super! Je vais tout mettre sur le toast. Oui, moi aussi, je vais couper une tomate. Voilà, je coupe avec une fourchette et je coupe. C'est fait? Ensuite, je prends le fromage. Et lui, je vais le couper en morceaux. C'est parfait, ça. Maintenant, je prends une poêle et je vais faire frire tout ça. Oui, c'est très très appétissant. Alors, je fais un sandwich sucré. J'ai besoin du chocolat Toblerone. Oh oui, je pense que j'ai une idée. Pourquoi me salir les mains quand je peux utiliser tout cela? Voilà. Avec son aide, je vais mettre tout ça. Les marmelades, le chocolat. Et bien sûr, je recouvre tout cela avec le toast. Voyons voir. Wow! Non, mais vos sandwichs sont super. Je vais commencer par ça. C'est pas mal, mais il n'y a rien de... Oh, voilà. J'aimerais bien goûter tout ça. Il a l'air super. Il y a le chocolat et des marmelades. Oh, c'est super bon, ça. Quentin, t'es le meilleur frère de la Terre. Oui, j'ai encore gagné. C'est vraiment génial. Maintenant, je veux de la glace. Oui, elle va être super bonne. Oh, de la glace, c'est super. Oui, ça va arriver, Sophie. Un moment, j'ai besoin de ma machine à sushi. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, quand on utilise à nouveau une sorte de machine. Il n'y a rien de compliqué à faire de la glace. Elle est faite à partir de quelques ingrédients. Oups, non, il y allait où? Ouais, j'ai besoin de prendre quelque chose du réfrigérateur. Plus précisément, j'ai besoin de la glace. Oh, elle fait si froid ici. Je vais prendre de la glace. Voilà. Mamie, je suis là. Ouais, d'accord, d'accord. Bon, je vais vous montrer quelle glace va être pour Sophie. Alors, je coupe l'orange et je presse le jus. Comme ça, ça va être parfait. Ensuite, je mets un peu de sucre et de l'eau. Oui, des fraises et des cuits sont prêts. Maintenant, j'ai besoin d'un pochon. Ouais, je vais vous montrer comment couper tout cela en deux parties. Voilà, avec le couteau chaud, je découpe tout ça. Ouais, il y a deux pochons, ça. Je verse là-dedans le jus d'orange. Je mets un peu de morceaux de kiwi. Et voilà. Et pour que nos pochons vont être froids, je vais mettre des glaçons. Non, mais moi, qu'est-ce que tu fais? Regarde comment moi je vais faire. Un peu de glaçons pour le slush. Voilà, je l'allume. Et regarde, c'est tout ce qu'il me faut. Super. Ensuite, j'ai besoin de colorer tout ça. Oh, j'ai tellement de Fanta. Oui, super.
Ça va être super bon, ça. Ouais, c'est super beau. Alors, qu'est-ce que t'en penses, mamie? Oh, pas mal. Mamie, qu'est-ce que t'as? Et moi, j'ai quelque chose de super froid. Je le mets dans une assiette et je peux goûter. Bon appétit. Oh, c'est où, c'est où? Ouais, voilà mes glaçons. J'aimerais bien goûter tout ça. Moi, c'est tellement grand. Moi, c'est bon. Oui, j'ai aimé. Oh, non, je suis froid. J'ai super froid. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une glace arc-en-ciel. Et le goût? C'est super, ça. J'aime beaucoup. Alors, c'est qui a gagné? Je sais pas, je sais pas. J'aime bien et ça et ça. Oups! Oh, moi, enfin! J'ai gagné! Youhou! T'as aimé notre vidéo? Alors mets un like, abonne-toi à notre chaîne! À bientôt!